Allez, salut, bienvenue, troisième épisode de Game of Trail. Allez, go, salut les amis, moi c'est Romain, aujourd'hui on est ici à la Madone et enfin ça arrive, je vous présente Game of Trail. Ok, je suis à l'arrivée de la troisième épreuve qui est la descente de la mort, juste ici. Et je suis sûr que vous êtes curieux de savoir si Augustin, le jeune fondeur, est vraiment aussi rapide que ça. Go, c'est parti, allez, allez. Ah, est-ce que tu m'entends? Ah, je suis chaud là. T'es chaud? Oui, hein. Allez, je te fais un 10 parce que t'es le premier, comme ça, ça te permet de te mettre en jambe et de te préparer la tranche. Allez. Attention, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, allez, allez! Et c'est parti pour Binge, le premier coureur. On rappelle le meilleur chrono sur la première émission, c'était 1.04. Qu'est-ce que ça va donner? On est à 16 secondes. J'entendais pas, il faut qu'il me tape l'épaule. Moi, je vais m'occuper de couper tout ça. Binge doit être au carrefour, là-haut. On entend les spectateurs. 30 secondes de course. À vous, vous êtes là qui s'énerve. Binge, pour le moment, est en tête sur cette épreuve. 1.07, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1.14 wow. Au chrono, 1.14 au chrono pour Binge, super chrono. Wow, c'est casse-gueule. Ça glisse? Ouais. Ah, c'est sec, donc ça glisse un peu. T'as eu chaud? Ah ouais, j'ai... T'es pas blessé? Non, ça va. Bon, super. Ça a dérapé, mais... Excellent. Ça va. On va lancer le second, bien joué encore une fois. Je vais lancer le chrono, ça filme ici. Attention, pour Romain, 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti pour Romain. Romain qui, je le rappelle, est passé second parce qu'il fait deuxième sur le cross notamment. Et il était à égalité de points, mais il a gagné le dessin en plus sur la première épreuve. Donc, il avait déjà de l'avance après la première épreuve. Et là, il est en train de descendre. On entend les spectateurs. 40 secondes. On est à 50 secondes. Allez, c'est la minute. Il semblerait qu'il arrive. 9, une 10, une 11, une 12. Une 12, j'ai une 12. Joli Rome. Il donne tout, Romain. Il donne absolument tout. Une 12, c'est pour le moment le premier temps. 2 secondes devant Binge. Ça dit quoi? Ça va? Oui, ça va. Une 12, joli chrono. Au top. Ah, putain. 1 minute et 12 secondes. Le terrain est plutôt glissant, hein, on le rappelle, parce qu'effectivement, ça a bien séché. Donc la poussière, la gravette, comme on dit en rallye, la poussière sur le dessus de la piste fait que les pas tiennent un peu moins. 1 minute 12, très gros chrono. Il nous reste Augustin à faire passer. On va attendre que ça appelle. Attention, c'est parti Augustin, dernier concurrent qui va bientôt partir dans 5 secondes. Je vais annoncer tout ça au chrono. Attention, c'est parti pour Augustin dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, go, allez, c'est Augustin, parti pour Augustin. Allez, 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 allez. Je vous annonce, c'est un très gros chrono. Une, deux, une, trois, une, quatre, quatre, une, quatre, quatre. C'est vrai? Ouais. Bien joué. Tu veux que je te dise où t'en es? Allez, pour toi, cette épreuve, c'est gagné. Bravo, t'as le meilleur chrono et c'est le même chrono dans la même seconde que Jules, je crois, qui avait gagné cette épreuve. Donc, ça veut dire que ça va très, très vite. Félicitations, j'avais parié sur toi. Je m'étais dit, c'est pour Augustin et c'est pour Augustin, c'est super. Ça s'est bien passé, t'es tombé? Je suis tombé, ouais, ça faisait un virage, j'ai mis sur le côté comme ça et je suis reparti direct, mais... Pas de blessure, bien joué. Franchement, chapeau à toi. Ouais, on y va, on peut remonter. Ouais, elle est belle, cette descente. Ouais, t'es vraiment bien. Elle est vraiment cool. Les arbres et tout, faufilé. Excellent, bravo. J'ai un petit avantage sur la taille, mais... Ah ouais, c'est possible. On y va, on remonte? Allez. L'épreuve de la descente est terminée. On peut féliciter et applaudir le vainqueur. Le vainqueur, il est au milieu. 1.04. Il égale le meilleur temps du premier Game of Trail par Jules. 1.04. 1.12 pour Romain, qui fait 2. Et 1.14 pour Binge. Et ça rabat les cartes. Benjamin, 285 points avant cette quatrième et dernière épreuve. Gus et Rome sont à égalité. Augustin et Rome avec 220 points. Tout reste à faire. La dernière épreuve, c'est la mort subite, les gars. Ça durera le temps que ça durera. Il y aura des surprises au milieu, vous le savez bien. J'ai envie de vous dire en place. Vous imaginez bien qu'il va plus falloir bouger. Et le record à battre, c'est 14, 15 minutes. On y va dans 5 secondes. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Ouais. Allez, parti. Allez, c'est parti dans 5 secondes. Le gainage. 5, 4, 3,
2, 1, c'est parti, en place, on ne bouge plus. Allez, c'est parti, il y a vraiment du silence, concentration extrême, 10 secondes déjà. On estime qu'ils sont bons au gainage ou pas bons? Pas bon. Pas bon, alors on sort au bout de la première minute, on sort la première surprise. Ouais. Allez, ça marche. Un peu quand même. J'ai faim, moi. Faut tenir au moins une minute, les gars. Même moi, j'y arrive. Ah, pour varier les plaisirs, on est passé chez Garpillon. Jusque-là, on avait fait confiance à la maison Phage. Mais on reste dans le local avec Garpillon et j'ai trouvé un truc sympa. C'est un petit peu comme un éclair, sauf qu'il y a des cacahuètes. Ça tremble déjà bien assez. Donc je pense que ça va être pas mal. Putain, la bestiole. Ce petit bout d'arachide dans la bouche qui va durer très longtemps pendant qu'ils sont en train de faire le gainage. J'espère qu'il n'y a pas d'allergie aux cacahuètes. Dites-le nous tout de suite. Non, non, c'est bon. Allez, les gars, c'est parti. Alors vous allez vous en mettre plein les doigts. Vous mettez sur le côté. Vous faites comme vous pouvez. C'est vous qui vous débrouillez. C'est la dernière épreuve. Il m'a l'air costaud. Je ne gère plus rien. Oh là là. Et bon appétit. Allez, on essaye au moins de manger le gâteau. Hein, ça me fera plaisir. Là, vous avez le droit de bouger. Hein. Là, vous avez le droit de bouger. Hop là. Allez, on essaye de manger ce joli gâteau. Et bon. Là, vous pouvez en profiter effectivement pour faire d'un pied sur l'autre. Et dès qu'il est fini, vous pourrez vous remettre en place. Ah non, je ne mets pas le tapis. Il va falloir qu'on nettoie le tapis. Je nettoie. Il est à qui le tapis? Tu pars en vacances avec ou pas? Ah non, on n'a pas prévu. Bon, ah ça bon. Va alors. Okay. J'en mets plus à côté que. Nous sommes à 2-20. Ça se passe comment? C'est bon au moins? On est partout. Et Romain qui en termine. Romain qui en termine. Tant que les autres n'ont pas terminé, Romain, pour jouer l'équité parfaite, tu peux continuer de bouger. Et une fois que tout le monde aura fini, bah, je pourrai donner le go pour qu'on ne bouge plus. De nouveau. Les gars, vous êtes à 3 minutes. C'est bon, bien déjà. Bien. Tu pourras continuer de faire la bringue avec Jules sans avoir honte. Je ferai plus souvent du gainage si c'était comme ça à chaque fois. Alors, j'amène pas à chaque fois des gâteaux que je vois quelqu'un faire du gainage. Hein. On est à 3 minutes 24. Ils vont finir leur friandise. On ira faire tirer à 6 minutes pour sortir les tuques. Les tuques, en général, ça a tendance à anéantir tout le monde. Sauf les filles qui sont trop fortes à jouer. J'adore ça, les tuques. Hein. On n'arrive pas à les anéantir, les filles, au gainage. Les gars, est-ce que vous avez fini vos gâteaux? Ouais, c'est bon. Profitez bien de ces derniers moments de plaisir avant qu'on se remette en place. 3. 2, 1, et on ne bouge plus. Allez les gars. Ça envoie une brique au fond du bide quand même. Hein. Du mal à descendre. On peut féliciter les porteurs de totem quand même qui sont là. Depuis hier soir, ils ne bougent pas. Alors, est-ce que ça va toujours? Est-ce qu'il y a des petites faiblesses? Faut pas le dire s'il y a des faiblesses, hein, parce que les concurrents vont le savoir. On est à 4 minutes 45, les gars. Rome? Ça va. Dans la tête, ça va? T'es costaud? Ça va, ça va. Tu vas faire honneur à ton frère qui arrive ce soir? Oui, oui. Après une heure. Augustin, ça a trembloté un petit peu. Un peu, ouais. Binge aussi commence à transpirer. Non, non, non. Il va rien faire paraître. C'est un fin stratège. Ça va, Binge? Nickel. De toute façon, t'es en vacances derrière. J'attends avec impatience le prochain. Ah, moi, je peux plus là. Hop là! Première élimination pour Gus. Joli, on peut l'applaudir. Alors, si j'enlève... allez, 5 minutes 10 pour Gus. Ouais, j'ai battu Pierre-Anthony. Et il a battu Pierre-Anthony, effectivement. Je vais pouvoir chambrer, Pierre-Anthony. Attention, les gars, on laisse les bras au sol. J'en ai encore partout ou pas? Je veux pas avoir à prévenir le comité olympique. Allez, les gars. Ils sont tendus en ce moment, en plus. Oui. Ah, c'est terminé pour Binge. Putain, il est solide, hein. Et Romain qui reste en place. Romain qui reste en place. Bien joué. 5,52. Tu veux manger les tucs, Romain? Non, c'est bon. 5,54. On peut vous applaudir, les gars. Bravo. Bien joué. Félicitations à vous trois. Bien joué, bien joué. Solide. C'est bien, là. Ouais, j'aurais pas allez, une minute je vais de chercher, plus tard. Ça commence à trembler, ça moi, toujours, je dis. Ouais, je vais chercher les points. Bouger, on fait le final, on annonce le vainqueur, celui qui part en finale, avec les points. Et ensuite, on fera juste un petit au revoir tous ensemble. Et bien joué. Allez, on résume comme il faut cette fois-ci. Après la troisième épreuve, on a notre vainqueur. On va annoncer le troisième, qui s'est bien battu et qui a remporté la descente. On le rappelle, c'est Gus avec 245 points. Bravo à toi. Bravo. Augustin, 17 ans. Chez les newcomers, après le ski de fond, je sens qu'il va prendre plus de dossards dès la semaine prochaine. On a Romain. Romain qui est là et qui fait 320 points et qui gagne l'épreuve de gainage notamment. On peut l'applaudir. Bravo Romain. Merci. Et notre vainqueur, il part en finale. Il a été bon sur l'ensemble des épreuves. Il est vraiment costaud en ce moment. 335 points, c'est Binge. Rendez-vous en finale pour Binge. Bravo. Il va gagner pour nous. Content d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. Puis ça fait plaisir de se défoncer un peu avec des jeunes du coup, même si je me tiens plus trop dedans. Ça fait plaisir, puis hâte de voir ce que ça va donner en finale. Allez, ce troisième épisode est terminé, tout le monde est là. Ça a été encore un épisode assez incroyable. Je remercie les coureurs et les spectateurs. On a passé vraiment un super moment avec ces newcomers qui commencent à faire parler d'eux sur les podiums. On donne rendez-vous à Binge pour la finale qui va rejoindre Jules et Allison. Ça, ce sera, je pense, plutôt à la rentrée en septembre. Je vous invite à nous suivre sur notre chaîne YouTube, à regarder ces épisodes, le premier chapitre, le deuxième chapitre, les épisodes d'avant. Vraiment, Game of Trail, pour cette première édition, c'est, je crois, une réussite. En tout cas, on s'éclate vraiment à faire ça. Et puis, on fait la traditionnelle. Ça y est, il est midi passé. Tout le monde doit rentrer, aller manger. Certains vont partir en vacances. Donc, on va s'applaudir tous ensemble. Et c'est une fin de tournage. Bravo à tous. Merci. Merci. Merci à vous.